Le nouveau format du Mondial 2026 de football a été présenté par le Conseil de la FIFA réuni à Kigali avant son congrès. Co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, la compétition sera composée de 104 matchs au lieu de 64, un nombre de rencontres qui permettra à chaque équipe de disputer un minimum de 3 matchs chacune. Entériné en 2017, le passage de la Coupe du monde masculine de football de 32 à 48 équipes à partir de 2026 obligé à revoir le format. Ce dernier prévoit donc 12 phases de poule de 4 équipes. La FIFA a bloqué à 56 jours la période de mise à disposition obligatoire des participants, comme en 2010, 2014 et 2018, alors qu'elle avait été raccourcie lors du Mondial de 2022 au Qatar. La durée du tournoi nord-américain n'est pas encore connue, mais les participants rejoindront leur sélection le 25 mai pour une période de préparation écourtée. La finale est programmée le 19 juillet 2026.